Et comment ça va par ici? Comment ça va les amis? Salut Calimero, salut Thibaut, salut Crus. Et pendant que j'étais en train de faire, de préparer le stream, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je tape une mantiboule dans une IA? Je vais vous montrer ce que c'est une mantiboule. Attendez, faut que je le retrouve. Oh la créature. Voilà. Je vous laisse avec mantiboule. Voilà. Oh, c'est un enfer. Oh là là là, je suis parti chercher les dernières Philocrania qui me manquent. Pam, 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 paf. Tac. Ça, on va préparer tout ça. Est-ce que j'ai un bon nombre de boîtes? Parce qu'après, on va se lancer un petit react sur les libellules. Pas piquer des hannetons. Hop là. Ça, c'est mon tiboule. Peut-être ça va être la nouvelle mascotte du stream, Mantiboule. Comment ça va les amis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 7. Putain, j'ai fait au pif et c'est nickel. J'ai assez de couverts? Normalement, j'en ai pris 7 aussi. 2, 4, 7, très bien. Ouais, juste un truc, j'ai oublié ça. Mais là, j'ai des mouches en vrac et en fait, j'ai nourri mes mâles philocraniens hier et en fait, ils ont déjà tout bouffé. Et en fait, j'ai un peu... j'ai un fond de mouche, en fait, que j'ai claqué là-dedans. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Et mais, j'ai pas réglé cette cam-là parce que je me suis dit, je vais pas m'en servir. Puisqu'on va faire un truc. J'ai pas quitté et remis la cam, évidemment. Je vais vous montrer un truc. C'est pas grave. Ouais, en fait, j'avais un fond de boîte, donc j'ai un peu de sciure dedans. Donc du coup, j'ai juste filé ça vite fait à bouffer
au phylocrania et après on démarre. La mandibule, faut en faire quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Hop là, la mandibule. La mandibule est là. Bon, dites-moi là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Bon, en même temps, vous étiez là lundi. Hein, donc du coup, depuis lundi, pas grand-chose de nouveau. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait faire une masterclass. Alors, plusieurs trucs. J'ai plusieurs idées pour les bases et tout ça. Mais j'ai rien de très concret ou en tout cas très. En fait, si vous voulez, c'est un peu les bases, mais c'est un peu trop poussé pour être vraiment les bases. Alors, ce que j'avais en tête, je voulais parler de, par exemple, l'incidence de la pièce d'élevage dans la terre raffinée en elle-même. Ça, je trouve que c'est hyper négligé. Mais est-ce que c'est vraiment la base de la terrario, ça? Pas vraiment. Je veux faire un podcast spécial sur les acariens. Parce que ça, je crois que c'est vraiment un gros, gros sujet. Mais j'aimerais me renseigner avant vraiment. Donc, moi, j'ai un peu mon idée sur les acariens qu'on voit. En fait, soit je fais un petit podcast un peu à l'arrache et tout sur les acariens en mode. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous en voyez sans trop se prendre la tête? Ou alors je fais un podcast un peu plus avancé sur les acariens. En même temps, peut-être que les deux sont faisables. Donc j'avais ça comme idée. Après, j'avais une autre idée, c'était que j'y repense. C'était parler. Ça peut être dans les basiques. Ça peut faire l'objet d'une vidéo basique. C'était parler de qu'est-ce qu'il faut surveiller et surtout. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand est-ce qu'il faut faire quelque chose? Quelles sont les erreurs sur lesquelles il faut faire attention? Je voulais parler de. Hé, la mandibule, là, c'est bon, là. Pousse-toi, là. Je voulais parler notamment, par exemple, de vérifier qu'il n'y ait pas de condensation, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, qu'il n'y ait pas tout ça. Alors, on en a déjà parlé dans le truc sur l'humidité, on a parlé de trop d'humidité. Dans le truc sur la chaleur, on a parlé de trop peu de chaleur. Mais je trouvais ça intéressant de. Refaire un podcast en plus pour vraiment parler de bon, je débute. Qu'est-ce que je dois faire vraiment attention? Quels sont les points sur lesquels il faut que je fasse gaffe pour tout se passe bien ou pour pas que je m'inquiète quoi en fait. Parce que moi je suis quand même j'ai quand même souvent des questions de gens qui débutent et qui s'inquiètent à tort ou à raison. Et puis de l'autre côté, des fois, eh ben on s'inquiète pas alors que c'est catastrophique. Là, j'ai eu le cas de quelqu'un, c'est assez malheureux. La personne, elle voit qu'il y a un petit peu trop d'humidité dans le terrarium et puis qu'il y a quelques petits acariens, c'est tout. Elle, avec une Phidippus qui est pas toute jeune, hein, une Phidippus bien subadulte, mais la personne, elle se dit bon bah c'est pas grave, il y a un peu trop d'humidité, ça va se régler dans les jours qui arrivent. Le lendemain, il retrouve sa Phidippus morte, remplie d'acariens. Il y a des chances que les acariens aient étouffé, entre guillemets, la Phidie. Et donc là, bon, c'est un peu la cata. Et là, il m'a appelé pour demander si c'était vraiment à cause de ça. Et il s'en voulait à mort, quoi. Alors que s'il avait su que, ah, on a des acariens dans des Phidippus, ok, on change tout le terrain. On change la Phidippus de bac, quitte à la mettre dans un petit gobelet en attendant. Et on nourrit pas, on aère bien et tout. Enfin, vraiment, chez les Phidippus, trop d'acariens, c'est mortel, quoi. Donc voilà, c'est dommage d'avoir des soucis comme ça. Enfin, je trouvais le sujet intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je m'en aille encore à 5 heures. Aujourd'hui, c'est pour mon plaisir, les amis, parce que je vais. Aller faire une séance d'essai dans un club de tir à l'arc. J'avais envie de le faire depuis un moment. Donc voilà, je voulais reprendre un sport, tout ça. Donc ce soir, c'est tir à l'arc. Pas de travaux. J'ai déjà fait assez de travaux hier. Demain, je fais des travaux toute la journée. Donc ce soir, c'est tranquille, tir à l'arc. Donc il faut quand même que je m'en aille à 5 heures parce que le temps de rentrer chez moi, de me changer vite fait et puis d'aller au club, ça va être tout juste. Donc on va bientôt se mettre le reportage. Le reportage dure à peu près 45 minutes, mais en comptant le générique de fin, ça doit faire 40 minutes. À la fin du reportage, on se dit ciao, on répond aux questions vite fait au fur et à mesure, et ciao. Donc si on veut discuter un peu, c'est maintenant. Si vous avez des questions à poser, tout ça, tout ça. Salut Myrmex, comment ça va depuis le temps? La mentorquidée de la bourse, les mentorquidées de la bourse ont mué les deux. Mais trop bien.
Ça pousse? Moi ça pousse bien. Hein. J'ai des mâles, ils sont déjà presque adultes, quoi. Ça c'est cool. Tu vas tirer quel arc, à poulie ou longbow? Bah franchement, j'en sais rien. Je pense que ça va être arc classique. Et puis on verra bien par la suite. Hein. Alors mon local, ça avance. Bah mon local, ça avance. Est-ce que tu suis les réseaux sociaux? Parce que justement, c'est ce que j'allais parler. Donc la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, alors moi je devais en sortir une aujourd'hui. J'ai pas le temps, c'est pas la priorité. Tout est tourné et il me reste juste à faire le montage et faire la voix off. Donc vous savez, moi les vidéos, c'est tellement fait à l'arrache que c'est pas très long. Mais bah, il y a des priorités. Là, la priorité, c'était de nourrir les animaux. Donc faire les commandes et nourrir les animaux. Donc voilà, surtout que demain, du coup, je suis pas là de la journée pour faire les travaux. Alors où j'en suis? J'ai quasiment terminé le plafond. Alors quasiment terminé, c'est il me reste il me reste une demi-plaque de placo à poser à deux endroits où il y a des trous. Donc c'est vraiment allez, une grosse demi-heure demain et c'est bon parce que les plaques que j'avais déjà mis hier, il était 20h, je mets ma plaque et je fais il y a 5 mm de trop, ça passe pas. Pourtant j'avais pris de la marge et tout mais c'est étriqué donc ça passait pas donc j'ai redescendu la plaque, j'ai dit ça sera plus tard, je suis fatigué. Donc c'est cool. Donc ça, c'est bon. Donc tout le plafond est bon. Pour les murs, il me manque des matériaux. En fait, quand j'ai fait ma première commande, j'avais pas l'isolant pour les murs, il n'était plus disponible. Là, maintenant, il est disponible. Donc là, je vais passer une commande demain qui sera livrée la semaine prochaine. La grosse commande. Dans cette commande, il y a l'isolant pour les murs, le placo hydrofuge pour la cave, il y a fenêtre, porte-fenêtre, d'extérieur, porte-fenêtre pour la pièce d'élevage. Il y a quoi d'autre? Il y a d'autres trucs, hein, mais là, je les ai plus en tête. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et grosse commande. Porte-monnaie. Donc c'est bien, mais la dernière commande, donc c'est cool. En bas à la cave, bah, ça s'est vachement assaini. L'humidité, il y en a vraiment de moins en moins, donc c'est trop cool. Demain, mon objectif, c'est finir le plafond. Et commencer la première passe d'enduit partout. J'ai déjà fait la première passe d'enduit sur la moitié du plafond. Donc là, faire la première passe partout. Comme ça, au moins, tranquillou, ce week-end, j'aurai le temps d'y mettre déjà un coup de ponçage et puis faire la deuxième passe. J'essaye de faire l'enduit au fur et à mesure parce que pour ceux qui ont déjà fait les travaux, les finitions, c'est super chiant, c'est ce qui prend le plus de temps. Et puis demain, le gros objectif, donc j'ai posé le premier bastin qui sert de support pour les étais. Et donc du coup, il y en a un deuxième à poser au plafond. Parce que par mesure de sécurité avec moi-même, et comme c'est quand même un vieux bâtiment qui n'a pas été fait pour, je vais poser des étais de sécurité qui resteront dans la cave. Donc là, pour ceux qui captent pas les travaux et tout, ou alors qui n'ont pas vu des vidéos, tout ça, en fait, j'ai découvert une fosse à purin en dessous de mon local. La fosse à purin, je l'ai nettoyée, je l'ai vidée, je l'ai assainie. Et je vais en faire une cave. Et donc l'objectif demain, c'est de poser des étais, donc des poteaux, pour soutenir le plafond, pour pouvoir couper un trou dans le sol de la pièce et dans le plafond de cette cave, pour pouvoir y passer un escalier. D'ailleurs, de la semaine prochaine, l'escalier arrive aussi avec la commande. Donc pour pouvoir y passer l'escalier, donc demain, l'objectif, c'est de poser le deuxième bastin au plafond, le deuxième gros morceau de bois qui soutient les poutres, qui soutient les étais. Et donc demain, je pose les étais. Et je commence à couper la trémie d'escalier, donc le trou pour l'escalier. Et ça, c'est hyper chaud parce qu'il y a un trou de 2,60 m à faire sur 80. Et c'est du béton et de la brique. Et mon marteau-piqueur est en galère. Donc c'est une galère. Et si j'y arrive pas, il faut que je le porte à mon père pour qu'il le répare. Le démonte, le répare. Parce qu'il y a un problème, le truc, il a. Ah, c'est, si vous voulez, le marteau-piqueur, c'est le marteau-piqueur de mon père qui a servi pour la première maison qu'il a eue il y a maintenant bon, 30 ans, quoi. Donc la machine, elle a 30-35 ans, là, elle m'a regardé, elle a fait j'ai du mal là. Donc du coup, est-ce que je vais réussir demain ou pas? Je sais pas. En tout cas, si je réussis pas ça, c'est pas grave, je commencerai autre chose. Et puis voilà, ça va avancer. Nice. Allez, on commence notre React qui va parler de libellule, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le paradoxe des libellules.
Et comme Arte fait des documentaires incroyables à chaque fois, on va se regarder ça. Pendant ce temps-là, moi, je vais nourrir les menthes au fur et à mesure. Vous allez me voir, voilà, il y aura un petit truc, paf, paf, regardez, tac, tac. Ah non, c'est pas la pause, c'est pas la pause. Hop là, tac, voilà, j'ai mis un petit truc. C'est vraiment YouTube pour la musique, quoi. Donc là, voilà, donc vous verrez un peu ce que je fais. Là, ici, je suis en train de préparer les filocrania que je vais blinder de nourriture pendant 2 jours. Comme ça, au moins, vendredi, ça part en repro pour tout le monde. Donc ça sera cool. C'est long à grandir, les bébés Red Runner, tu en as plein de miniatures. C'est super long, hein, les Red Runner. Si tu mets pas 35 degrés, c'est très long. Allez, on est parti. Let's go. Ouh, et je débite. Hein. Merci beaucoup, Myrmex. Pour ton soutien. Elle est à la fois démonstrative et incroyablement discrète. Porte ah ouais, ça, un costume terne, mais qui attendez. J'ai encore envie de parler. Pourquoi elle est libellule? Parce que... si on a le temps cet hiver, on fera ça cet hiver, mais je pense qu'on fera ça surtout au printemps prochain. Au printemps prochain, les amis, on met en place... Le stream H24, tout ça, ou des vidéos, je sais pas quoi. Mais on va se faire une petite série de vidéos où je vais dans la forêt, je vais choper une larve de libellule et on l'élève jusqu'à temps qu'elle soit adulte et on suit tout le cycle et tout. J'ai trop envie de faire ça et trop envie de le partager en vidéo. Donc ça, c'est... Voilà. Les libellules, ça me fascine. Transforme en une parure colorée. Doc avec les animaux invasifs. Ah, super sympa. Elle voltige, nage... ou s'enterre en fonction de son âge. Ça va le son? Vous me dites le volume s'il faut que je change. Elle est aérienne et aquatique. Elle est une combattante et une danseuse à la fois. Elle ah, ça fait de partie des animaux préférés. Et cela dure depuis plus de 300 millions d'années. Hirodua Venosa, c'est en cours de repro. J'ai eu des otèques, mais c'est pas beau, hein. Je saurais pas te dire quand. Faisant partie des premiers insectes à avoir habité notre planète, elles ont côtoyé les dinosaures, traversé 3 extinctions de masse et plusieurs périodes glaciaires. Si les espèces d'autrefois ne sont plus celles d'aujourd'hui, si leur taille a fortement diminué, le modèle reste le même. Ah, les méganora là. Libellule à taille humaine. Des millions d'années après leur apparition, elles ont croisé sur leur route une espèce marchant sur 2 pattes seulement, mais avec un cerveau surdimensionné. Parmi ces homo sapiens, certains se sont pris de passion pour ces voltigeuses hors pair. Un axe empereur. Nous les appelons communément libellules, mais les naturalistes leur préfèrent le terme d'odonates et les séparent en 2 groupes bien distincts. Les hycoptères, que l'on surnomme plus joliment demoiselles, avec leur corps en forme d'allumette, leurs ailes soigneusement repliées sur le dos et leurs yeux nettement séparés. Et les anisoptères, plus grosses et munies de grandes ailes toujours ouvertes. Oh la tête ! Petite les libellules en gros blanc, c'est flippant. Cordulis splendide, naïade aux yeux rouges. Derrière ces yeux mystérieux, se cachent des insectes qui nous fascinent depuis toujours. Moi, je l'appelle l'irlandaise parce que regardez, elle est brousse avec les yeux verts. Regardez ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tant la fascination qu'un sentiment d'urgence qui pousse des femmes et des hommes à partir à leur recherche. Il y en a de moins en moins. Parmi les 100 espèces présentes en France, 1/4 sont menacées et 2 ont déjà disparu. À l'heure d'un bouleversement écologique sans précédent, les libellules nous invitent à regarder de plus près leurs prouesses et l'incroyable lien qu'elles entretiennent avec leur milieu de vie. Je sais pas, je dois avoir 3-4 otèques de Venosa, mais ça pompe pas bien et il y en a qui sont mortes et tout. Enfin, ça sent pas bon, moi, je te le dis. Pourtant, j'ai fait beaucoup de repro cette année. Au moins, j'ai poussé 8 femelles à l'âge adulte, mais... Nous connaissons des libellules, les balais aériens qu'elles nous offrent. Ça me parle pas bien. Pourtant, en ce mois d'avril, le printemps est déjà bien entamé, mais point de libellules au-dessus de la mare. Où sont-elles donc cachées?
Elles sont sous l'eau. Oh, les larves de libellules, ça me fascine. Elles passent l'essentiel de leur vie dans un espace beaucoup plus sombre, beaucoup plus discret et certainement bien plus dangereux. Ah bah là... Faut pas les croiser, hein. Dans ce théâtre aquatique, les libellules commencent leur vie. Point d'ailes ni de chatoyantes couleurs, ce sont des larves ternes et parfois monstrueuses qui côtoient d'autres bêtes étranges. Oh putain, on va voir l'attaque. L'attaque au ralenti. Ici-bas, mieux vaut voir plutôt qu'être vu. Le but est le même pour toutes, manger pour grandir le plus possible. Paf ! Poupée ! Une semaine, tu t'es entrepreneur de Paradoxa, t'as pas le droit à l'erreur. Oh, celle-là, comment elle est belle ! Waouh, 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 waouh. Ça va être trop belle. J'ai une tripotée de philocraniens, qu'est-ce qu'elles sont belles ! Parmi toutes les larves de libellules, l'anax empereur fait office de maître des lieux. Il capte le peu d'oxygène présent dans l'eau par des branchies situées dans son abdomen. On voit bien les ailes. Hein, pour atteindre ce gabarit, la larve d'anax regarde a besoin celle-là. De beaucoup d'énergie. Tu vois celle-là comment elle est. Je sais pas si elle est plus belle, mais... Trop, trop, trop jolie. Oh là, paf! On dirait un peu des ravisseuses. Comme toutes les larves de libellules, elles possèdent une arme originale et terriblement efficace. Replié sous la tête, ce bras articulé ne laisse présager aucune mauvaise intention. Franchement, ça ressemble vraiment à des ravisseuses. Mais en une fraction de seconde, il se déploie et empale Notonect, Gamar, larve de moustique et bien d'autres encore. Tu fais comme moi pour la repro, hein. Tu mets tout dans, tu mets dans une boîte comme ça, tu par deux plein crochets de bouffe. Acérés qui percent la carapace des proies les plus coriaces. Elle n'hésite pas à s'attaquer à de plus gros calibres comme Oula. Les têtards, les alevins ou même ses propres sœurs. Je peux pas les élever ensemble, j'ai envie. Je serais curieux de voir s'il y a des gens qui ont déjà réussi même l'élevage. J'ai regardé un peu sur internet, mais a commencé pas, un jour j'ai pas trouvé. Sous la forme d'un minuscule œuf. Après son éclosion, la larve de libellule ne ressemble alors qu'à un petit ver d'à peine 1 mm. Durant toute sa vie aquatique, la larve grandit par étapes successives pendant lesquelles elle se sépare de son ancienne carapace devenue trop étroite. Elle mue. Il faudra en moyenne une douzaine de mues avant d'atteindre la taille nécessaire pour devenir adulte. Certaines resteront sous l'eau plusieurs mois, d'autres devront attendre jusqu'à 6 années. Oh ouais, quand même. Je savais qu'il y en avait qui passaient plusieurs cycles comme ça, mais je savais pas qu'il y avait des cycles très longs comme ça. Mais après, ça dépend de la quantité de bouffe et de la température, j'imagine. Dans les bas-fonds, d'autres libellules sont spécialisées dans l'art du camouflage. Parce qu'il y en a partout des libellules, c'est le cas quoi. De la très bien nommée libellule fauve. Elle s'habille de fragments minéraux et organiques, oh, c'est se fondant alors complètement dans le décor. Oh merde, là, il y a les caméras devant, je suis désolé. Wow. Parfois même, elle s'enfouit entièrement dans les sédiments. Moi,
je suis fasciné. Cette année, il y a plein de petites araignées d'eau, là. Vous voyez de ce que je parle? Le sol est ponctué de pièges à l'appétit féroce. Qui glissent comme ça sur l'eau. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Surgir de sa cachette est à la fois une nécessité et un risque. Bon, tu le laisses toute la nuit. Après, les femelles, des fois, elles les tapent quand même, hein, mais c'est très rare quand même. Il y a toujours un risque. Quoi. Alors, mieux vaut parfois prendre un peu de hauteur. Les larves de demoiselles, plus sveltes et plus mobiles, se perchent souvent dans la végétation aquatique à la recherche des plus petites formes de vie. C'est si, elle ressemble vraiment à une libellule, quoi. Ils ont pas la même tête, quoi. Incroyable. Faut voir les ailes, là. Parmi les milliers de larves nées ici, seules quelques-unes parviendront à l'âge adulte. Oh là là, la tête, quoi! Incroyable! Et les images sont folles, hein! Bon, après, c'est en aquarium, ça! Hein. Pour la première fois de sa vie, la larve sort la tête de l'eau. Elle multipliera ses sorties pendant plusieurs jours afin d'habituer son corps à la respiration aérienne. C'est incroyable ça aussi. Puis, un soir, l'anax empereur entame son ascension. La dernière mue. Ah, la qualité des images, c'est incroyable. Hein. Et encore, vous avez sur le live, là, vous devez perdre de la qualité, je pense, hein, parce que le live, il est au pas au moyen de contorsions et de poussées internes, la libellule fait éclater la peau au niveau de son thorax. Oh, le truc de... À filmer, à voir, ça doit être incroyable, ça. J'aimerais trop, mais je pense que même... Elle s'extirpe définitivement de même ce costume. Même en faisant ça en captivité, je vais pas réussir à le voir, je pense. Voilà. Ah, oh, c'est fou, quoi. Je me dis, si j'ai... Faudrait réussir à avoir un couple et puis leur fournir une grande volière ou quelque chose comme ça, quoi. Peu à peu, les muscles s'échauffent. Un grand terrarium filé, là. Jusqu'à trouver leur place. Chez Reptilis, ils en avaient des géants, des trucs de 2 fois 3 mètres, quelque chose comme ça. Sur les petites espèces, il y a peut-être moyen de réussir la repro. Hein. Les ailes fripées se déploient et se lissent. Ça serait fou, hein. Ah, les larves, ça me fascine. Des profondeurs, il ne reste désormais plus. On testera ça. Printemps prochain. Une jeune et belle libellule attend maintenant les premières lueurs de l'aube pour ouvrir ses ailes. Au printemps, peut-être qu'on commencera cet hiver, quoi, histoire de l'avoir. Parce que si on au printemps, ce sera peut-être tard. Refermer. Bah écoute, on verra bien si elle passe longtemps sous larve ou pas. On essaiera d'en choper plusieurs, quoi. On va essayer d'en choper plusieurs, de les mettre dans des aquariums individuels, faire un test avec deux, trois larves, quoi. Libellule à s'envoler dans la saison. Dans son sillage, le petit peuple des odonates se dévoile au grand jour. De toute façon, on n'arrivera pas à savoir quelle espèce c'est. Quelle espèce, ça. 5 ans, la larve. Bah, ça dépend des espèces, je pense.
Tu sais, si on trouve des larves de demoiselles, demoiselles, ça va vite. Hein. Plus que quelques semaines à vivre dans. Mais tu sais, on va les gaver. Se reproduire. On va faire, je vais faire un élevage de guppies. Un petit élevage de guppies, t'inquiète même pas qu'elle va mettre, elle va mettre 6 mois. De nombreuses libellules préfèrent les eaux calmes des mares. Ouais, il faut des plantes aquatiques et tout, mais bon. On peut reproduire ça, tu vois. Que dans le courant des rivières. Une grande bassine, plein de plantes d'aqua, des trucs à la con, des égérias et tout, il y a moyen que ça. Mais quel que soit le milieu de vie qu'elles affectionnent, un tonneau, tu vois. Toutes les libellules ont un point commun. Tu laisses un tonneau pendant la saison et puis tu fous plein de plantes dedans. Elles doivent leur prouesse à une morphologie exceptionnelle dans le monde vivant. Tu sais, tu rajoutes des guppies au fur et à mesure, histoire de pouvoir les gaver, tu récupères quelques larves, il y a peut-être moyen. Celles-ci peuvent donc fonctionner indépendamment les unes des autres. Moi, je vais pas te mentir, si je prends des guppies, j'ai pas besoin d'en avoir des sublimes. C'est pour qu'ils se fassent bouffer. De seconde, bifurquer en un éclair, prendre subitement de l'altitude. Enfin bon, on en reparlera. Faudra se renseigner. Des plus inattendus. Au pire, si ça met plusieurs années, c'est pas grave, tu vois. On s'en fout. C'est pour le délire, quoi. Par cet enchaînement de plongeons et looping, la libellule réussit l'exploit de se rafraîchir, puis de s'essorer le corps, sans jamais s'arrêter de voler. On va aller voir chasser. Le déplacement dans les airs a participé à la très large répartition des libellules sur l'ensemble de la planète. Hormis l'Antarctique, toutes les zones humides du monde ont été colonisées. Des plus grandes aux plus petites, des plus originales aux plus ordinaires. Au-dessus de la surface de l'eau, ce sont les mâles qui se donnent en spectacle. La libellule à quatre taches est une espèce typique des eaux calmes. Chaque mâle défend un territoire qu'il sait approprié. On n'en a pas des comme ça chez nous, hein, dans le Nord. Stratégique. Nous, on a vraiment des bleus, des rouges. Voir, mais également être vu. Dès qu'un mâle vagabond s'approche, l'attaque est sans appel. Un tétard, elle adore, mais je ne donnerai pas un tétard à bouffer, tu vois. Nos amphibiens, ils sont déjà en danger, c'est interdit en plus, les moments de repos sont rares, d'autant plus quand le nombre d'individus et d'espèces augmente. Sur les étangs, les couleurs annoncent l'ouverture du. J'ai vrai des guppies, c'est tellement facile à élever. Avec le bleu des trommes, le rouge des crocotémis ou encore le vert des cordulis. Chez ces dernières, les mâles ont délaissé le poste d'affût pour une surveillance du secteur intégralement en vol. Ces patrouilleuses parcourent inlassablement les bords des rives. Tout comme le majestueux Anax Empereur. Ah, c'est tellement beau. Je me dis, ça vole tellement vite et partout. Les mâles défendent leur territoire en chassant leurs rivaux. Mais dans l'euphorie générale, tout le monde vole derrière tout le monde. Ils sont cons, quoi. Ça doit pas être plus compliqué à élever une larve de libellule qu'un poisson, hein. Chez les demoiselles, les mâles sont nettement moins agressifs et volent inlassablement à la recherche d'une femelle. D'Artemia ou une connerie comme ça au départ. Pour toutes, la vie aérienne est courte, mais d'une incroyable intensité. Accumulant course-poursuite et combats aériens, les ailes encaissent de nombreux chocs. Ça, c'est un truc que je me dis, si on les met en captivité, genre même si on met des grands filets, elles sont d'un parfait équilibre. Je sais pas si elles vont pas se péter leurs ailes, quoi. Tout en étant plus fines qu'une feuille de papier. En même temps, ça a l'air tellement costaud, les libellules. Moi, je me souviens, gamin, je chopais les libellules, genre, je les ai jamais abîmées. Hein. C'est pas des papillons, ces quoi. Ces quelques centièmes de grammes peuvent emmener la jeune libellule dans d'incroyables migrations. Les naturalistes s'intéressent de près à cette capacité de dispersion.
Elle est l'une des dernières chances de maintien. Ouais, des alvins. Une libellule devenue rare. Nos plus Artemia en vrai. Facile à faire, les Artemia. J'en faisais à l'époque. Dans le sud-ouest de la France, caché sous l'immense pinède des Landes de Gascogne, persistent des milieux uniques au monde, appelés localement lagunes. Rien à voir avec les étendues d'eau de bord de mer que tout le monde connaît. Ici, les lagunes sont des mares d'eau douce à la forme étrangement circulaire. Bon, on prendra notre mal en patience, on s'amusera. Tu sais, maintenant, je fais du coléo, donc... Elle serait née sous l'effet du vent ou de lentilles de glace fondues après la dernière glaciation. Mais une part de mystère persiste toujours sur la formation de ces milieux. Il en resterait encore 2000 disséminés ici et là sous la forêt landaise. Le paysage est trop beau. Lorsque la terre s'est réchauffée, c'est ici, dans ces poches d'eau fraîche, que se sont réfugiés de nombreux animaux liés au froid, comme le lézard vivipare ou le papillon fadé des lèches. Oh, les drosera. Les particularités écologiques de ce milieu ont permis l'installation d'une libellule d'affinité euro-sibérienne, la leucorine à front blanc. Les leucorines sont exigeantes quant à leur milieu de vie. Les naturalistes ne les retrouvent donc que dans quelques milieux rares et particuliers, comme le sont les lagunes acides des Landes de Gascogne. En France, il ne reste plus que 4 noyaux de population de cette libellule. Les naturalistes espéraient jusqu'à peu que des échanges génétiques existaient encore entre ces 4 dernières populations. Mais une récente étude scientifique vient d'affirmer le contraire. La liaison est coupée entre les populations les plus éloignées, si bien que ces dernières subissent un appauvrissement génétique. Cet isolement des leucorines n'est pas étranger à la disparition généralisée des zones humides. Ces dernières étaient 3 fois plus nombreuses en France au début du siècle dernier. Parmi elles, des zones refuges qui, autrefois, facilitaient sans doute les échanges entre les populations de libellules. Bah ouais, parce qu'ils comme étaient considérés comme gênants et non rentables, les lagunes, marais ou autres tourbières ont été asséchés pour être cultivés ou même urbanisés. Et puis maintenant, on se retrouve avec des problèmes. C'est urbanisé, il y a des problèmes d'inondation, des problèmes de remontée capillaire et tout dans les maisons. Et on s'étonne, tu sais. Les zones humides rescapées sont des joyaux qu'il faut à présent chérir. Lorsqu'elles sont préservées, elles accueillent un incroyable foisonnement de vie, dont les libellules sont les témoins privilégiés. Ouais, parce que s'il y a des libellules, c'est qu'il y a des bestioles partout. L'un des plus beaux spectacles du bord de l'eau. Sans proie, il n'y a pas de libellule. Hein. Symbolisé par une gymnastique originale que l'on nomme cœur copulatoire, l'accouplement des libellules inspire amour, calme et douceur. Mais cette apparente quiétude est trompeuse. Ah, on a l'impression qu'il plante son abdomen dans la tête de l'autre. C'est calme et beau. Les mâles arpentent les rives à la recherche de partenaires. Bouge pas de là, toi. Ils se ruent sur toute femelle ressemblant de près ou de loin à celle de leur propre espèce. Ouais, il y a des humains, ils font pareil, hein. Dès qu'ils voient une femelle, ils se ruent dessus. Hein. Là, un mâle crocotémis a repéré une femelle. Il l'a saisie en plein vol avec ses pinces abdominales. L'accouplement se déroule aussitôt dans les airs et ne dure que quelques secondes. Puis, la femelle commence à pondre. Elle pond là ? Ah ouais. Mais très vite, d'autres mâles la repèrent. Oh punaise !
Elle est harcelée à chaque fois qu'elle se rapproche de la surface de l'eau et ne tarde pas à se faire de nouveau attraper. Pour s'assurer que les œufs pondus sont bien les leurs, la plupart des mâles adoptent le rôle de sentinelle. Ils surveillent leurs femelles et repoussent les concurrents. Ça qui est ouf avec les libellules, quand on en voit, c'est toujours un balai, quoi. C'est... La femelle pondra ainsi des centaines d'œufs jusqu'à c'est hyper actif, quoi. Tout en évitant de multiples menaces. Oh là, par contre, là, elle a... on l'a vu, la... l'araignée, là. Merde, là, on l'a pas vu. Ouah! En vol, elle pond, c'est fou, hein. Je pensais qu'il se posait quand même sur le bord ou quelque chose comme ça, non, non. Ah, en fait, c'est en le mâle qui chope l'abdomen de la femelle. Les sapétrons ont choisi une stratégie plus radicale. Les mâles s'accrochent fermement aux femelles et accompagnent la ponte. Pour chaque œuf déposé, j'aurais ma tête sous l'eau, la c'est pas femelle un problème. Tape la surface de l'eau du bout de son abdomen dans un mouvement rapide et régulier. C'est une danse à deux qui ne laisse que peu de place aux mâles célibataires. A l'inverse, la femelle d'Anax Empereur pond en solitaire chaque œuf à l'intérieur même de la végétation. Tu vois, moi j'avais déjà vu ça plutôt, les tu vois. Les œufs sont ainsi protégés dans les tiges aquatiques des elles plantes. Elles se posaient et puis... Ça dépend vachement des espèces. Nul alors. Besoin de mâles protecteurs pour se défendre, la femelle d'Anax exprime un signal d'alerte. Une petite courbure de son abdomen qui signifie au prétendant qu'elle n'est pas disponible. Ah! Putain, prenez exemple, quoi. Au lieu de vous faire harceler. Chez les demoiselles, les naïades ont également opté pour une ponte minutieuse dans la végétation. Mais cette fois, la femelle est tenue par le mâle géniteur qui doit prendre son mâle en patience grâce à un vol stationnaire, s'autorisant parfois quelques repos succincts. Non, les pinces, en fait, les pinces, ils sont au bout de l'abdomen. Ils sont là comme ça. Hey, ça va, ça se passe bien, ouais. Bah, je suis accroché, c'est bien. Hey, toi, bah moi aussi, je suis accroché. On est tous accrochés. Hein, j'aime pas trop parler moi pendant l'accouplement, c'est pas mon truc. Laisser traîner son abdomen sous la surface de l'eau comporte un certain nombre de risques. Ah, ça fait choper par un truc? La femelle. Ah, pour brocher. Le brocher. Stock. Putain, mais elles vont carrément sous l'eau, là. Elles vont sous l'eau pour pondre, là. Et salut, Doom. La vie sur Terre fourmille de comportements extravagants. C'est incroyable, ça, par contre. Après avoir échappé à la mort pendant sa vie larvaire, la femelle s'enfonce une nouvelle fois dans le milieu qu'il a vu naître et restera plus de 30 minutes sous l'eau. Oh. Et quoi, elle va... Elle va mourir sous l'eau? Exprès? Pour genre pourquoi de... prendre autant de risques? Ce comportement étrange est pourtant d'une incroyable évidence. Pour éviter que les œufs se fassent bouffer? Tout au long de l'été, le niveau d'eau baisse sous les fortes chaleurs. En insérant leurs œufs en profondeur, les femelles leur assurent de ne pas finir à l'air libre, grillées par le soleil. C'est ouf ça, je savais pas qu'une fois adultes, ils pouvaient retourner sous l'eau comme ça facilement, quoi. En même temps, ils doivent sécher en 2 secondes. Hop. T'as intérêt qu'il fasse chaud quand même, quoi. Y a quoi, y a un fil là? Ah non, c'est juste l'eau. On a l'impression qu'il y avait un fil. Un truc de fou, quoi. Elle remonte à la surface. Ah ouais, non, mais il y en a tellement de différentes espèces que forcément, ils ont des mœurs différentes, mais c'est dingue, quoi. Parce que les libellules, enfin, on en voit... Après, on les regarde pas forcément non plus, mais... Je sais pas, par ici, j'en vois 4-5, quoi.
L'eau est il y en a une petite bleue qui est magnifique. Entraînée que je trouve souvent. Infini, elle tombe du ciel, ruisselle et s'infiltre dans les sols jusqu'aux nappes souterraines. Oh merde, la maladie! Quelle idée d'être tôt malade. Tard, c'est fou. Parfois en quelques heures, parfois après plus d'un siècle, elle rejoint les lits des plus petits ruisseaux, des rivières, puis des fleuves. Ah ouais, c'est... Ah, ça me fascine, les libellules. L'eau en mouvement est mieux oxygénée et profite alors à tout un cortège de libellules inféodées au milieu courant. Parmi elles, des demoiselles dont les ailes colorées transforment le moindre des oh, qu'est-ce que c'est beau, dans un tableau romantique. Mais en Guyane, il y en avait tellement des demoiselles. Ah ça, il y en avait plein en Guyane. Dans ce style-là. C'est pas cette espèce-là, hein, mais... Des bleus comme ça. Mais ça, je me demande si c'est pas celle que je vois souvent par chez moi. Ah ouais, faut pas les choper, hein, les libellules, ça fait mal. Faut bien les choper, quoi. J'ai un souvenir, quand j'étais gamin, je me suis fait choper par une libellule, j'ai fait comme ça. Tac! En tac! France, parce qu'elle lâchait pas, et il y a sa tête qui restait. Toutes les autres libellules par la pratique d'une parade nuptiale originale. Ouais, c'est ça que j'ai par chez moi. Le mâle danse autour de sa promise dans un vol rapide en point fixe. Si celle-ci n'est pas disposée à s'accoupler, elle écarte les ailes, signifiant ainsi au prétendant qu'elle n'est pas intéressée. Là, un mâle de Caloptérix hémorroïdal se ouais, faut se méfier, hein, les libellules, faut bien les choper. Hein. Il porte si tu les chopes par la queue, elles se retournent, elles te défoncent. Surtout lorsqu'il exhibe son atout coloré. Et surtout, ça... Parfois, ça lâche pas, quoi. Ça se... Libellule dans le casque, le qu'est-ce que ça veut dire? Le mâle parade en se laissant dériver par le courant. La femelle, quant à elle, vole à proximité. Des belles mandibules, c'est clair. Des belles mandibules. Par ce jeu de dérive sur l'eau, le mâle indique à la femelle la vitesse du courant et par là même, la qualité du site de ponte. Ah, parce que moi, où je les vois, celles-là, elles sont dans une eau. Le courant doit être suffisamment rapide pour éviter que des algues s'agglutinent sur les œufs et empêchent l'éclosion. Et c'est juste en fait, juste avant... Un courant trop puissant emporterait les jeunes larves. Juste avant une sortie en fait de... Où l'eau elle passe sous la route. Et elles sont là, il y a un peu de courant, il y a des pierres et tout. J'essaierai d'y voir s'il n'y a pas moyen d'en choper des larves là-bas. Quand j'aurai un peu plus de temps, hein, quand j'aurai déménagé. Les Caloptérix partagent la rivière avec des libellules de plus gros calibre qui tranchent avec le vol papillonnant des demoiselles. Les gonfles sont des libellules typiques des rivières. Les mâles enchaînent patrouillent en vol à la recherche de femelles et repos dans c'est la fou, végétation. Ah oui, en moto, ça doit faire un sacré pack. D'autres libellules affectionnent particulièrement les sacré rivières ploche. Comme ce mâle d'Echne paisible qui prospecte inlassablement les recoins cachés des rives à la recherche d'une partenaire. Mais la plus emblématique de toutes est aussi la plus discrète. C'est l'une des plus grosses libellules habitant les rivières, mais contrairement à ses voisines, elle reste introuvable. J'avance pas, moi, je suis trop passionné là. Par contre, il te reste combien de temps ? Pour mieux comprendre les exigences de cette espèce, ouais, il faut se encore. Pencher sur sa vie aquatique. Oh, ils vont en plonger carrément, les mecs. Les larves de Cordulis splendide apprécieraient les méandres et les embâcles qui ralentissent le courant des eaux chaudes et ombragées. Tu m'étonnes que c'est quasi... La découverte d'une seule larve de cette libellule est devenue aujourd'hui exceptionnelle, alors qu'elles étaient comptées par centaines au début du siècle dernier. Oh, c'est déprimant, ça. Les populations de Cordulis splendide se sont écroulées en quelques décennies seulement et dans l'indifférence générale. Sa répartition mondiale se résume à quelques cours d'eau du sud-ouest de l'Europe.
ça j'ai jamais vu. Hein. C'est peut-être pour ça, si c'est dans le sud-ouest de l'Europe. La disparition de cette libellule fantomatique a peut-être quelque chose à nous dire sur l'état de santé de son milieu de vie. Ah ouais, c'est des bio-indicateurs, hein, de toute façon. Si t'as des pollutions, ça claque direct. Hein. En lisant puis avec toute l'agriculture. Dessinée, elle nous renseigne sur la nature des activités menées à leur abord. Ah ouais, avec l'épandage et tout dans les champs, c'est une catastrophe. Hein. Ou même canalisée pour éviter les débordements et ainsi cultiver les terres au plus près des cours d'eau. Ah bah ouais. D'autres ont été entrecoupés de barrages pour produire de l'énergie ou stocker l'eau. Et puis, maintenant, on fout, la rivière est le réceptacle des eaux ruisselant sur les terres. Voilà, on fout de la merde dans les champs. Les traces microscopiques de nos activités. Voilà, c'est ça. Ici, des molécules chimiques. Là encore, des perturbateurs endocriniens. La merde. Parce qu'elles sont des êtres de l'eau, les libellules subissent des impacts que nous avons du mal à distinguer. Et c'est dû à l'agriculture et c'est dû à nous, surtout. Une précise des espèces encore présentes dans ces milieux. En ce moment, ici, c'est l'épandage du lisier. Quand tu vois la quantité de lisier qu'ils vont mettre, parfois, qu'ils mettent, des bénévoles prennent les choses en main pour prospecter ces milieux oubliés. C'est pas un groupe, là ? Ouais, du coup. Grâce après, à l'analyse des exuvies ou directement par l'observation des libellules, tout le lisier après se retrouve dans les eaux. Des espèces et dévoile ainsi tout en cortège. La chenille fine, le Saint-Pétrum sanguin, le lest des bois. Là, on cherche les traces de ponte du lest vert. Certaines libellules ont des comportements surprenants, fruits d'une longue évolution. C'est le cas d'une petite demoiselle au corps métallique, le lest vert. Cette espèce a délaissé la surface de l'eau pour pondre bien cachée dans l'enchevêtrement des branches d'arbres. Délicatement, les femelles insèrent leurs œufs sous l'écorce grâce à un petit aiguillon situé tout au bout de leur abdomen. C'est incroyable, ça. L'hiver prochain, les larves écloront sous l'écorce et grignoteront le bois pour sortir et se laisser tomber dans l'eau. L'arbre protecteur garde alors la trace de ces éclosions passées. Les petits points sont là, en fait. Ça fait comme des espèces de petites échelles. Et puis, à force de chercher, on trouve parfois la perle rare. Ah, comme cette toute petite demoiselle pesant moins d'un demi-gramme. Elle est reconnaissable au casque de Gaulois dessiné en haut de son abdomen. On la nomme Agrion de Mercure. S'il était encore commun au siècle dernier, l'agrion de Mercure a régressé partout en Europe jusqu'à disparaître de plusieurs pays. Les naturalistes le cherchent activement pour dresser une carte précise de sa distribution. Pour le trouver, il faut remonter le cours des rivières jusqu'à leur source. Là où des milliers de petits filets d'eau prennent naissance et s'écoulent sur les bassins versants, formant d'innombrables chevelus. Ces petits chevelus passent au plus près des routes, des lotissements, des zones commerciales ou encore des cultures agricoles. Sensible à la qualité de l'eau, l'agrion de Mercure se cantonne principalement en amont des ruisseaux, là où l'eau est la moins polluée. Mais une autre menace pèse lourdement sur cette petite demoiselle, l'assèchement de son milieu de vie. Ah ouais. Certaines larves de libellules ont la capacité de vivre plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le sol encore humide. Elles attendent alors patiemment le retour de la pluie. C'est ouf de voir tous les têtards comme ça et tout, quoi. Mais aujourd'hui, le manque d'eau est tel que des ruisselets entiers disparaissent et certaines rivières ne coulent plus. Bah nous, dans le Nord, on a été servis cette année, mais l'année dernière, il n'y avait pas d'eau nulle part. C'était une catastrophe. Il n'est pas rare d'observer tout des couples de libellules tout l'hiver revenant sur leur lieu de naissance pour tenter de donner la vie, alors même que l'eau a disparu. Ah, finaise,
Ah, du coup, ils captent pas, ils y arrivent pas. Ah ouais, quand tu vois tout. Après des décennies d'industrialisation, moi, ça me désespère de voir des champs comme ça. D'assèchement des zones humides, d'épandage de produits chimiques et d'artificialisation des cours d'eau, les bassins versants se sont transformés à des niveaux plus ou moins intensifs. Il y en a qui trouvent ça beau, mais je trouve ça horrible. Certaines libellules ne trouvent plus leur place et quittent les zones de plaine pour se réfugier dans les montagnes. Ici, les torrents dévalent sur les pentes et parfois ralentissent sur les prairies. Aucun produit chimique n'est déversé sur les terres alentours et les cours d'eau serpentent sans jamais avoir été artificialisés. Tu m'étonnes, ils ont la place, ils ont L'eau de quoi faire là-dedans. L'eau déborde de son lit au fil des crues. J'ai pas beaucoup de... Elle invente continuellement de nouvelles voies et crée sans cesse de nouvelles zones humides. Là, un ancien bras de la rivière a formé une mare dans laquelle une végétation aquatique typique s'est développée. Ce nouvel habitat est devenu favorable à l'installation d'une libellule montagnarde, l'Echne des joncs. Cette grosse libellule est inféodée aux zones d'eau acide et tourbeuse des pays nordiques. Il y a des libellules montagnardes, quoi. On ne la retrouve que dans les mares et lacs d'altitude. Vous croyez qu'elles ont un accent ? Puis, au fil du temps, cette mare va naturellement s'enrichir en végétation jusqu'à en être complètement recouverte. Ce nouvel habitat profite alors à une autre espèce, le Saint-Pétrum jaune d'or. C'est beau comme nom ! Lui ne pond que dans l'herbe, poussant les pieds dans l'eau. De telles prairies inondées sont devenues rarissimes en pleine. L'espèce se concentre donc dans les prairies de montagne, aux côtés des troupeaux qui maintiennent les milieux ouverts. Sur les plaines, la main de l'homme est partout. Alors, comment retrouver ici aussi des territoires accueillants pour une pluralité d'espèces de libellules ? Une autre manière d'habiter le territoire semble aujourd'hui plus que nécessaire. Produire une nourriture saine en composant avec les mares, les marais, les ruisselets, mais aussi les haies, les prairies naturelles et les petites cultures arborées. Bah ouais, il faut changer toutes nos habitudes comme ça, quoi. Si les libellules sont intimement liées à l'eau, elles sont également dépendantes de la qualité des milieux terrestres. Toute leur vie, elles auront besoin de se nourrir. Les haies et les prairies naturelles avoisinant les zones humides sont leur terrain de chasse favori. Ouais, c'est ça vraiment le bio-indicateur. S'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de libellule. S'il n'y a pas de proie, il y a un problème, quoi. Moi, je vois sur la ville de Le Quesnoy, ils ont décidé de ne plus faucher à certains endroits. Fruit de millions d'années d'évolution. Bah, en 3-4 ans, ça n'a aucun rapport, quoi. Bouleversement écologique. Alors, c'est sûr, il y a des gens qui râlent parce que c'est des coincés du cul et qui veulent de ne pas y survivre. En terrain de golf. La plupart traverseront sans nul doute cette période mouvementée de l'histoire. Alors, ne faut-il pas voir dans le vol merveilleux des libellules un message qu'elles nous livrent quant à la fragilité de notre propre espèce ? Bon, c'est clair, hein. Parce que nous, on regarde tout ça. Elles disparaissent. On n'y fait pas grand-chose, on s'en fout un peu parce que, c'est pas nous, hein. Mais quand les insectes commencent à disparaître, c'est que... on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien. Bon, j'ai encore vite fait mes petites fidies à nourrir. Voilà. J'ai eu une éclosion de White Bahamas, là, cette semaine.
Et du coup, je file la toute petite Drozo et ça survit pas longtemps. Ça se fait bien bouffer, ça bouffe bien. Mais bon. Ah, regardez, je vais vous montrer où est-ce qu'elles sont. Ah, regardez. C'est marrant, on les sépare et elles finissent tous par se remettre au même endroit. Là, il y en a un paquet parce que j'avais mis le cocon avec. Mais c'est rigolo, hein. Comme quoi on dit, oh les filles des puces, c'est super agressif, hein. C'est super agressif. Tu les sors, elles se foutent l'une à côté de l'autre. Elles se marchent dessus. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était, j'ai trouvé ça trop cool. Très très cool. J'ai pas trop compris le paradoxe. J'ai pas trop compris le titre, parce que là, on n'a pas vraiment vu de paradoxe, quoi. Genre vraiment, c'était... C'était vraiment les libellules, quoi. Il n'y avait pas de paradoxe, quoi. Mais bon. En regardant un reportage sur les libellules, on voulait voir de la libellule. On a vu de la libellule. C'est cool. C'est cool. Ah, salut François. Au moment où je m'en vais. Nice. C'est plus si je l'ai dit, mais merci pour les cicatas. Première repro réussie. Ah, j'ai cru voir ça passer. Tu m'as envoyé un message quelque part, non? Tu m'as peut-être envoyé un message sur les réseaux sociaux. J'ai pas été trop sur les réseaux sociaux cette semaine. J'ai pas vraiment eu le temps. Mais trop cool si t'as réussi tes repros. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai très bien réussi aussi, voire un peu trop. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une éclosion. Ça en est où, d'ailleurs? Ça en est où? Après, il faut que je m'en aille. Ah ouais, ouais. Trop de nez. Il y en a trois qui sont sortis. Ah ouais les amis, faut que j'y aille moi, parce que ce soir je fais une première séance de tir à l'arc. Moi qui avais envie de m'y mettre depuis longtemps, c'est la rentrée, c'est l'occasion. Donc je suis déjà en retard. Donc je finis de nourrir mes petites filles là, bam bam. Et je m'en vais. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve vendredi matin pour une mantinale. Sans faute, vendredi matin. Après, le début, je sais pas trop. Normalement, 9h, ça devrait le faire, mais en ce moment, je suis un peu emmerdé parce qu'il faut que j'amène la remorque, faut que j'aille à la déchetterie et tout. Donc, si j'ai le temps d'aller à la déchetterie demain, j'irai à la déchetterie demain. Sinon, j'irai certainement vendredi matin. Et si j'y vais vendredi matin, bah... J'y vais de toute façon à l'ouverture de la déchetterie, parce que sinon, le reste du temps... De toute façon, je sais pas ce qui se passe avec la déchetterie, mais il y a toujours 8 millions de personnes devant la déchetterie, donc j'y vais à l'ouverture. Si ça se passe bien, j'en suis sorti au bout de 5 minutes, et puis si ça se passe pas bien, bah c'est la merde. 11h, moi je serais là de... Le but, c'est faire 9h midi. Voilà. Et puis pour ceux qui sont pas là, bah j'en suis désolé, vous pourrez regarder le replay directement après la diffusion du stream. Voilà. Ciao. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et je coupe la musique parce que j'ai pas le temps. Allez, ciao. Ciao. Merci. Merci, hein. De vous avoir ici chez Mantibule, où la patience vit de la cible après Tiosa, alors qu'il est enchanté. Merci.